Et bonsoir à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ni No Kuni, comme d'hab. De toute façon, hein, j'ai dit que j'allais continuer, il faut que je le finisse. Il serait temps. Même si on est qu'au chapitre 5 de ce que j'ai vu, on est à la moitié du jeu en fait. Donc, on a de la marge. Bon. Alors, la dernière fois. Voilà. La dernière fois, voilà. Ça veut tout illustrer ce qui a été fait. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Je crois que je me lasserai jamais de ces visages en fait. Bref, Megalovania. Ouf. On lui dit au revoir. La musique, on la reverra plus tard. Bon oui. Transition. Oh. Transition. On fait hop, hop. Et ah, le jeu. Le jeu est de retour. Le jeu est parmi nous. Bon, allez, arrêtons un peu les conneries et reprenons pour de vrai. Pouf. Alors, toi, tu t'en vas quand même. C'est pas le pratique de te voir ici. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était rendu à la ville de Nautilia pour rencontrer la reine afin de signer la seconde partie du traité. Sauf qu'elle nous envoie dans un labyrinthe pour résoudre un problème avec le... avec un Léviathan, mais avec un nom complètement métal. J'ai complètement oublié. Et du coup, on a son intendant Cecilius qui nous a rejoint. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, on va dans le labyrinthe des damnés. Merci. La mission sur le côté qui me rappelle qu'est-ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce qu'il en est du royaume? Hop. Allez. Non. Voilà, on récupère tous les bénéfices, même si on n'a pas beaucoup. Est-ce qu'on est bon aussi niveau son, voix et musique? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est raccord ou est-ce que je fais de la merde? Pour changer. Hop. Allez, point de voyage. Ah non, Nautilia, c'était... Voilà. Nautilia, c'était le port, je dis des conneries, c'est le port rempli de tous les charpentiers. Donc on a construit le bateau à Nautilia et on s'est rendu à Célacan ou Kélacan, j'arrive jamais à me rappeler. Et c'est là qu'on a rencontré la... Mais nous, on va là, au labyrinthe des damnés. Ah oui, ça commençait par une mission comme ça. Voilà, bon bah puisque c'est l'objectif, on va commencer par l'épreuve de l'année. Niveau 12. Oh, j'espère que ça va bien se passer parce que j'en ai aucune idée de comment ça va aller. Combien j'ai de PO ? Ah oui, alors qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois? C'est vrai que ça, je suis pas trop venu dessus. Je crois pas l'avoir montré même dans le dernier épisode en fait. Escadron, comme vous pouvez voir en fait, au début on avait donc Grant et Karl qui étaient avec nous. Sauf qu'en faisant quelques quêtes annexes, j'ai récupéré Corgi et Kingsha. Donc voilà, ça nous fait deux armées supplémentaires, c'est ce qui nous manquait. Donc on fait avec jauge militaire niveau 2. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas du tout en fait cette mission. Mais bon, il n'y a pas d'autre solution parce que ouais, je pense qu'on va traverser toute la zone, ça va prendre un petit moment. Bon bah, c'est le moment de tester, voir si ça passera. Bah allez, hop, c'est pas. Voilà, l'antre du Kraviathan. Yes, métal. Bref, le briefing est terminé, on y va. Ok. Alors. Restons sur nos gardes, ouais. C'est certain. Alors, laissez-moi 30 secondes.
D'accord, donc je me déplace, ça déplace toute l'armée. Ça, c'est pour les techniques. Ça, c'est pour les faire tourner autour de moi, d'accord. Tenshindo ! Ok, là j'envoie la charge. Allez. Heureusement que le jeu me montre les faiblesses. Parce que sinon on serait dans la merde. Bien. Première étape franchie. Oula. Je sais plus comment on fait revenir des troupes. Ah, c'est la catastrophe. Bon, j'ai l'air d'avoir récupéré tout le monde. Voilà. Bon, pour le moment, c'est pas trop mal. Allez. Oui, le Krabiatan est amassé. Oula. Allez, allez, allez. J'aime tellement pas ce truc, tellement mauvais. Ah.
きの活躍を見ろ。Allez, mourez! Mourez! Yes. Sabe. Bon, est-ce qu'on est bon cette fois? Ah. Comment ça, le vrai défi commence maintenant? Non, non, non. Comment ça? Ah. D'accord, c'est fini avec eux. Je maîtrise tellement pas ce machin. J'ai encore du boulot pour comprendre comment ça marche concrètement. Pour le moment, c'est quand même un peu hasard de ce que je fais. Bon ben... Oh, un coffre. Allez, on va continuer de jouer avec Cecilius. Bon. Vachement fort. What? Bon, je crois que je suis un peu en dessous du niveau. Hop, juste là. Oui, ok. Excusez-moi, je vérifie juste une chose. Là, là, ok. Voilà. Pardonnez-moi. Vous n'avez rien vu. L'antre du Kraviathan. Ouais. Ah, une mornille. Ah ouais, je crois qu'on est direct en fait au boss. Gloops. Ah, où est-il?
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le Kraviathan est certes un monstre féroce, mais il n'est pas une menace pour ses lacans. Pourquoi la reine tient tant à ce que vous risquez votre vie pour combattre cette créature? C'est sûrement important pour elle. Peut-être bien. Oh là là, que se passe-t-il? Ah oui, il y a Anguille sous roche, ta gueule! Bon d'accord. よろしくお願いします. Bon. Allez. Bon, niveau 36. Il n'est pas plus fort que ce qu'on a affronté tout à l'heure. Cécilius, vas-y. Reculons. Hop là, oula, je pensais que l'esquive elle marche. T'as nommé là, son point faible. Je crois pas que son point faible. Ouah. Ah, pourquoi j'ai pas esquivé après? Soko. Sei. Hiro. Ah, du soin. Hop là. Je crois que je l'ai pas vu, t'as la joueur, mon gros. Ouais, c'est là par contre, hein. Je suis un boulet. Plus de soins. Les poissons, les poissons. Moi j'adore les poissons. Je sais pas pourquoi je chante ça. Oula. Ils sont pas touchés les algues, je sais pas pourquoi, mais j'y crois que ça. Mais ça vaut pas le coup. Oh putain, c'est des algues explosives. Ok. Le mini Duke, depuis quand les algues explosent-elles? C'est la justice, mes preux. Il nous faut un moyen de le combattre. Bon, Evan, à quoi jouer? Burn to cinder! Oula, il y a eu beaucoup d'XP là. Je crois que j'avais un peu de retard. Nous avons réussi! Beau travail! Il n'y a plus qu'à retourner voir la reine. Ah. Nous avons rempli notre part du marché. Il ne devrait plus y avoir de raison qu'elle ne signe pas notre traité. Mais... au fait... vous avez vu cette chose qui est tombée du monstre une fois vaincue? Qu'est-ce que c'est? Ouh. Une larme de Kraviathan. Nanto. C'est une larme de Kraviathan. Ne me dites pas que... Oh mon dieu, malheur, misère. Qu'est-ce qui se passe, Cécilius? Rien, rien, tout va bien. Oh putain, c'est la misère, c'est la caca, c'est la catastrophe. Retournons au palais pour faire notre rapport à la reine. Oh là là, merde.
Voulez-vous sauvegarder? Alors, vu que je pense que j'ai eu un gros coup de cul sur ce boss, on va dire oui. Il n'y a rien qui traîne dans la zone là-bas. Oh, bah voilà. T'as j'aurais encore raté un coffre. Voilà. Une armure protectrice anti-pluie. D'accord. Il n'y a pas de pierre, un truc... Il n'y a rien pour les petits... Bon, bah non, il n'y a rien. Alors, faites-moi voir cette armure. Équipement. Résistance à l'eau et diminution des dégâts reçus quand les PV sont bas, d'accord. Donc toi, c'est bien pratique. Toi, ouais, ça sera encore plus pratique, mais je sais pas combien de temps tu vas être dans l'équipe. Et pour toi, ça vaut pas le coup. Et bah vas-y, hein. Voilà. Serre-toi. Toi, est-ce que maintenant tu peux prendre la cape anti-feu? Oui, tu peux prendre la cape anti-feu, c'est plus pratique. Hop là. Bon. Maintenant, on retourne au palais, c'est ça? Exactement. Legit ou pas? Pas legit. Point, 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 point. Voilà, point. Prendre un petit peu d'XP parce que si les boss ils sont déjà niveau 36 alors que moi je venais à peine d'avoir niveau 30, on va XP un petit peu sur la route. Hop. Prenez garde. Allez. J'aime pas les oiseaux qui brillent. Bon, non pas que j'en croise souvent, mais j'aime pas les oiseaux qui brillent. Ah, d'accord. Aïe. Patata point. さて、や、参りましょう。はっ。せいや、せい。せいや、せい。はっ。せいや。あい。 Joli tir, Evan. Joli tir. Pourquoi tu chantes toujours cette chanson? J'en ai aucune idée. Bim!
La baguette féerique du poisson. C'est la baguette féerique d'Andromède. Tu veux dire Aphrodite ? Merde ! Bobine de fil de poussin. D'accord. Ça, je peux rien faire avec. Yudan Sulner. Voilà. Voilà. Pour ça, plus dangereux, c'est fait. D'accord. Alors. Il y a quand même pas mal de monstres qui sont au-dessus du niveau 35 là. Au bout d'un moment, c'est que j'ai pris du retard. Allez, level up. Man, des vuivres, ça faisait longtemps. Ah, l'assaut! You dance the nerve. Je pensais que j'aurais le temps de la lâcher. Allez, voilà. On va commencer comme ça. C'est un beau chali. Oh, réponds. Merci. Arc fossile de lumière. D'accord. Une glace. J'ai l'impression que ça va être pour mes amis les gelés, ça. Joli lancer de boule. Voilà. Ouais, bref. C'était par où la suite ?
rien par ici. Bloop. Un aqua bloop. Un cascadia. Un ensemble magique raffiné. Ouh. Ah merde, je peux pas les ouvrir les bleus. Fuck. Je croyais que je pouvais enfin les ouvrir mais non. Allez. Voilà. Ça touche, ça touche. Allez. Putain, non, le 43, je tente même pas, j'ai déjà vu ce que je pouvais me réserver quand c'était trop fort pour moi. Oh, un coffre. À la fois patachou, chou patate. Je sais pas ce que je fais. Allez, hop là. Dun-dun-dun. Des objets. On part pour l'aventure. Non, on rentre à Célacane. L'aventure.
l'aventure. Non mais... l'aventure. Je peux juste accoster sur les petits cons si je veux. Ah, j'avais pas fait gaffe la dernière fois. L'aventure. Plus d'aventure. Junbi aika. Pas de la poing. Bah si, ça peut être drôle. Allez. C'est la canne, nous voilà. Prenons 30 secondes juste pour voir. J'ai récupéré un bâton de sorcier. Ah ouais. Dégâts contre les monstres blindés. Restaure plus de mâches. Allez. Hop. Dans les lances, j'ai pas récupéré grand chose de lance chromée de feu. Le bâton. Là. Bon, allez, restons comme ça. La reine, allons lui dire que le Kraviathan a été désossé. Allons-y. Oh. Oh. Monsieur le magistère, vous voilà enfin. Sa majesté la reine a disparu. Nous avons fouillé le palais et la ville de fond en comble, mais elle reste introuvable. Non. Comment? Oui. De plus, nous avons reçu un rapport indiquant que le grand tourbillon bouclant l'accès au gouffre des abysses a aussi disparu. Tu veux dire le tourbillon devant lequel je suis passé il y a 5 secondes qui est encore présent à sa place? Celui-là même. Non. Qu'est-ce que ça signifie, Cecilius?
Le gouffre des abysses est l'endroit où se trouve le dôme sacré de notre gardien, Draconaga. En temps normal, l'entrée est obstruée par un tourbillon créé par la magie de notre reine. Elle est donc la seule à pouvoir le faire disparaître. Mais alors... En clair, la probabilité qu'elle se trouve là-bas est très grande. C'est cela? Oui, mais il n'y a aucune raison qu'elle s'y rende. Quelque chose ne va pas. Et si Kendall était derrière tout ça? On ferait mieux de le retrouver là-bas plus vite. Yes. Dirigeons-nous tout de suite vers le gouffre des abysses et tu nous expliqueras les détails en route, Cecilius. Mais merci infiniment pour votre aide. Mechabook. Bon lunaire. Boing. Yo. Bah alors, vous quittez déjà le... vous voulez déjà quitter Kalagan? Oui. Entendu, montez à bord. On y va. C'est fou quand même comment ça disparaît vite d'un tourbillon magique, hein. C'est fou ce qu'on peut faire, ne jure. Allez. Le gouffre des abysses. Oh. Ah. Oh bah. Oh. Oh bah. Oh bah. Oh. Wow. Ah. On peut voir les fonds marins grâce aux ouvertures dans le mur. Des bulles assez résistantes pour permettre l'étanchéité de cet endroit. Fascinant. Le dôme des abysses se trouve dans les profondeurs. Si ce Kendall est réellement derrière cette affaire, nous devons l'arrêter au plus vite. Je vais aller de l'autre côté. Bon, et bah c'est parti pour un autre donjon. Qu'est-ce qu'on en fait des donjons dans cet épisode ? Non, c'était pas un donjon, c'était un champ de bataille. Mais c'est la même chose, presque. Hop là. Voilà. Non, pas de sauvegarde cette fois. Allez. Oh. Je sais bien que ça s'appelle un gouffre des abysses, mais tout de même, on n'en voit même pas le fond. Je ne vois rien qui nous aiderait de descendre. Que faire? Ne vous inquiétez pas, il existe un moyen. Essayons donc d'utiliser le coquillage baveur là-bas. Un coquillage baveur? J'aurais tout entendu, je crois. Ce monde est complètement dingue! Ouais, des cailloux. Oh, pardon. Oh, le coup de barre qui vient d'arriver. Bouf, allez, au dodo. Allez hop, fin du stream. Bonne nuit. Je déconne. Ah, la sauce. Yeah.
qu'est-ce que des hamsters foutent dans une grotte marine? Sérieux? Coquillage baveur. C'est pas très classe comme nom. Puis je vois pas comment ça va nous aider. Il faut emprunter la force des mouches pour s'en servir. Je vais vous enseigner le sort nécessaire. Tournez-vous vers moi, je vous prie. Vous avez appris le sort jet d'eau. Je pense que la pratique vaudra mieux qu'une longue explication. Essayez donc de lancer le sort que je viens de vous apprendre sur le coquillage baveur. Excusez-moi. Waouh, l'eau coule à flot maintenant. Oui, ce sort permet d'augmenter la flûte d'eau sortant de ces coquillages et de créer des rampes aquatiques pour nous déplacer. Allons-y. Non, mais là, je le sens vraiment. Evan, est-ce qu'on doit... Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Ouais, non, mais là, je sais que t'es pas chaud, Roland, mais là, faut y aller. Ouais, mais... Non, mais cherche pas. Bon, bah, j'y vais en premier. C'est... Encore? Dans l'autre sens? Oh merde. Affliction trempée. Eh merde, faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe, ça peut me tremper. Allez, reprenons. Zumbi Aika. D'accord. Alors lui, c'est pour retourner en haut. D'accord. Heureusement que j'ai regardé où il m'envoyait avant, parce que sinon on était reparti pour remonter. Oh. Plus de coquillages. Coquillage magique. Oh.
Allez, autant l'actionner tout de suite. Hop là. Celui-là nous fera remonter. Voilà. Mes amis, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin à présent. Il nous faut trouver le prochain coquillage. Ta gueule! Mais le coquillage est magique. C'est consigné dans les réserves. Bah pourquoi c'est consigné si c'est magique? Mais parce que ça pourrait nous péter à la gueule. Non, il n'y avait aucune référence. Absolument pas. Mais si c'est magique, ça pourrait péter. Oui, aussi. Là, j'ai l'impression que c'est maintenant que la carte commence à être casse-couille, en fait. Allez. Oh, sacre bleu! Un poulpe! Allez, le poulpe c'est fait. Ah, un coffre. De l'encens magique. D'accord. Oh
sérieusement, le niveau qui te donne envie de rester 15 plombes aux toilettes une fois que tu l'as fini. Oui, bon, ça va, elle était facile, j'étais obligé de la faire. Ouch. On avait de l'herbe, oui. L'herbe, c'est bon pour la santé. Je sortais jamais cette phrase de son contexte. Allez, couchez le sanglier. Couchez le cochignon. Bon, alors là, on est ici. Donc, quelque chose me dit... Alors ça, c'est celui qui est descendu. Donc soit lui, il va aller tout en haut, soit lui, il va descendre juste à l'étage intermédiaire. Et il va aller tout en haut, ouais. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Sandales. Elles iront tellement bien avec mon petit haut. Hein? Alors. Un bouton qui permet de rendre... Qui permet un rendez-vous qui passe crème. Ah bah d'accord, oui. Bah. Un bouton crème. Et un nouveau mousse. Kafki. Alors, donc, la route suivante, c'est celle. Oh. Wouhou. Suivez-moi, c'est Perle. T'es sûr de ce que tu dis? Non. Donc là, ça peut me faire tomber, donc ok, donc je peux y aller. Allez, commençons par une route qui n'a rien à voir avec celle que je dois prendre. Comme ça, quand je serai obligé de passer par cette route, j'aurai déjà tout fait. Ouh. 1500 mètres sous la mer. D'accord. Voilà. Alors, toi. Un glaive cuivré. Alors, lui, c'est les coups critiques. Les orbes spirituels dans des machins. Dégâts infligés quand les PM sont max. Dégâts de coups critiques accrus. Bah, allez, celle-là, elle vaut plus le coup. Du coup. Je vérifie, il n'y a rien. Je trouve que la musique s'emballe un peu quand même là. Ça serait bien de calmer ses ardeurs. Yeah.
Alors juste un tout petit peu. Oui, changer le paramètre de difficulté. C'est bizarre qu'il m'en parle parce qu'en plus j'ai même pas changé la difficulté. Je pèse juste les effets parce que vous l'entendez pas forcément pareil, mais dans le casque, moi les effets sonores m'explosent les oreilles, y a pas d'autre mot. Autant la musique ça va, je sais que si je parle à peu près fort vous allez m'entendre par-dessus, mais des fois j'ai l'impression que les bruitages eux sont imbattables au niveau du bruit. Encore des poules. Aucun poulpe laser ne me vaincra. Sérieusement, jamais je pensais que je pourrais dire cette phrase un jour. Alors lui, il doit me renvoyer ouais sur le truc qu'il y avait avant, donc ça, ok. Celui-là. Il m'envoie. Ah d'accord, non, j'allais dire il m'envoie là où j'étais. Non, non, c'est bon. C'est bon, j'ai pas tout fait le con. Meurs, ville hamster bicéphale. Non, il a pas de tête. Quoique, un hamster bicéphale. Mais ce serait une métal comme bestiole. Non, non, moi je valide, c'est une bonne idée ça en fait. Ah, cool. Allez, régénération. Non, pas de sauvegarde. Quoique, si, peut-être une sauvegarde parce que ça veut dire que je vais arriver au boss. On va avoir du scénario. Oh, du scénario et du drama. Le drama léger de Ni no Kuni, parce que c'est quand même pas si... Alors,
toi, tu vas partir dans les profondeurs. D'accord. Toi, tu vas retourner de l'autre côté. C'est bien ce que je pensais. Toi, du coup, je change d'avis, je sauvegarde. Allez. Oh. Otto. Alors toi, je pense que tu vas me faire remonter. Et bien ça. Allez hop. Ah bah. Jusqu'en je vais à fond, quand je vais l'affronter. Aïe. Encore, ça ok. Allez. En face ou en bas? Non, en face. Y'a plus rien en bas. Tata, 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 me voilà. Oh. Des routes dans tous les sens, y'a des routes dans tous les sens, et moi j'aime ça, des routes dans tous les sens. Ah bah c'est... Putain. Ah bah d'accord, ouais bah je... Ok. J'ai quand même un sacré talent de trouver la bonne route du premier coup. Alors... Allez, laisse-moi descendre. Alors toi... Est-ce que oui, j'ai une route par là? Ah, j'ai une route par là, ça s'appelle la route du demi-tour, ça. Ouais, c'est ça. Bon, donc on a pris par là, maintenant on va prendre par là. Je suis obligé de descendre. Hop. Alors. Attends, je dis que c'est du décor, mais. Ouais, je me dis que c'est du décor, mais. Non, non, c'est. Oui, c'est bon. Charge! Seiya!
pratique. Ah, attends. Oula. La route commence à être un tantinet plus complexe. D'accord. Donc là, c'est le truc qui m'a envoyé vers le bas. Sauf que pour moi, vers le bas, ça avait l'air d'être la suite. Mais là, il m'indique que la suite, c'est le coquillage qui est là-bas. Bon. On remonte. Ça va. Roland, j'en peux plus des allers-retours. Rien à foutre, on continue. De toute façon, je crois qu'on est bloqué. Et merde. Bon bah, on continue alors. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Et mercredi. Allez. Plus de poulpes dans cette direction. Mais j'ai déjà activé ça. On est où? Bah attends, je comprends pas tout. Sérieusement, je suis où? Ah, ou alors si. Non, c'est bon, je comprends. Je me suis trompé d'endroit, donc il m'a modifié mon objectif. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. C'est bon, je suis rassuré, je sais où je suis. Enfin, je crois. Parce que du coup, toi, tu m'envoies pas du tout à l'endroit où je pensais. Toi, tu m'envoies bien vers la descente, donc t'étais le bon chemin. Toi qui est censé être mon chemin de retour, tu m'envoies je sais pas où, donc on va regarder ça rapidement. Hein ? Une autre zone secondaire. C'est bon, je comprends le jeu. Le jeu m'aide. C'est bon. Il ne cherche pas à m'embrouiller, il cherche à m'aider. Plus moi qui suis un gland. Je suis rassuré. Allez, Black Hole. Pas l'air d'avoir raté quoi que ce soit, non. D'accord. Ah, et lui, ça va m'envoyer peut-être dans la zone que je trouvais inaccessible de l'autre côté. Yo. Yo. D'accord. Et lui, il me donne directement accès là-bas. Donc, demi-tour. Hop. Ah non, enfin, demi-tour. C'est pas ce que je veux dire par demi-tour, mais... Voilà, c'est pas ce que je pensais. La partie que j'aurais pu atteindre en me laissant tomber, mais le jeu a insisté pour pas que je puisse tomber. Voilà. Ou alors, c'est moi qui viens de faire de la merde.
je crois que c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Et galère. Bon, j'en ai marre. On descend. Le jeu, c'est bon, pas la peine d'insister. T'as gagné, je descends. Hop. Allez, voilà. On va là. Et hop, on y va. Dans les profondeurs. Ok. Oui, je vais re-sauvegarder du coup. La souris, si tu peux retourner à ta place, ce serait agréable. D'accord, et voilà, ça dans les profondeurs. Donc, avant de descendre, la dernière zone d'exploration. Un peu plus ce sort, j'ai tendance à l'oublier. Hop là. Ouais, non, faut vraiment que j'utilise plus souvent. Je sais plus pourquoi c'est les partitions. Bon bah, comme pour la première ville, je suppose que maintenant on va affronter son gardien, puisque à mon avis la reine est en bas avec Kendall, donc on est dans le caca. Allez! Let's go! Heika! Qu'une dalle. Jōheika, watashi desu. Cecilius desu. Douka o kiyo tashikari. Zuibun to osokatta na. Jōou wa ochita. Kore yori jōou ni wa. Sonna koto wa mitomenai. Jōheika wa kaishite morau.無力な女王に何をそんなに執着しておるのだ。シーラザラカンは女王陛下なしにはやっていける。ほう。どういう理屈なのかな。お前に語る道理はない。そうか。ならば。このセシリウスを御することができるのは。 女王陛下 ただ 1人。 シリ… わらわ… あの 反応… 正気に 戻り つつ あるのか? 長引かせると 面倒 な こと になり そう だな。 あー…
この国も終わりだな。美しいものほど儚い。ああ、ドララナーが破壊神になってしまうとは。このまま暴れさすのはまずいで。エヴァン、あいつをおとなしくさせるんや。アドーダーディメンション。Le gardien pacifique. Ou presque. Hajimeruzo. Okon. Kita, kita, kita. Tanono.Des glaçons, ça tombe bien, je crée un peu de chaud. D'accord. Un mousse sacré. Heureusement que j'ai pas pensé plus tôt. Ça aurait été bien que j'ai l'air de savoir ce que je fais. J'adore cette idée. Allez, un point faible. Deux points faibles. Et deux, trois. Allez, emballé, c'est pesé.
れを使うんや。やだ、せいや、行け。やせいせいや、はせいせいや、行け。せい行け。C'est quand même un tantinet moins compliqué que le boss de feu, je trouve. C'est plus long, mais... qui va bien. Oh, et de deux. Vous allez bien? Hein? Ah, tout va bien. Nul besoin de t'inquiéter autant. Oh. Oh. Impressionnant. Ah, quoique. Ah, qu'est-ce que je lui fais comme voix? Ah. Non. Moi qui... Ah non. Impressionnant. Moi qui pensais que vous n'aviez eu qu'un coup de chance la première fois. Mais... Peu m'importe, j'ai obtenu ce que je voulais. Nous nous reverrons sans doute sur ce... J'essaie de trouver une voie, elle va changer encore à la prochaine fois que je vais le croiser, je parie. Non. Votre dévouement à votre reine est... Oh putain. Votre dévouement à votre reine est exemplaire, Cécilius. Comme je le disais, sans sa reine, notre royaume ne pourrait exister. Que veux-tu dire? Eh. Je crois qu'il est temps de vous raconter le secret de Selakan. Notre royaume, Selakan, a sombré il y a de cela 300 ans. Hein? Quoi? Le royaume a été pris dans une éruption d'un volcan sous-marin. Les bâtiments, les habitants, tout a été englouti par la mer. Les ruines du labyrinthe des damnés étaient elles aussi habitées il y a 300 ans. Si notre cité a pu subsister ici depuis tout ce temps, c'est grâce à l'œil de la reine et sa magie qui permet de remonter dans le temps. What?
Pardon. Sans cette taille, notre pays aurait depuis longtemps sombré dans l'oubli. Malheureusement, cette magie ne s'utilise pas si facilement. Si le nombre d'habitants de Slakan venait à changer, le sort se verrait brisé. Ce qui explique ces lois si étranges. Pourquoi je fais des liaisons qui n'existent pas? Oh! Pas de décès, pas de naissance, ou les patates sont cuites. Je vois le topo. Trop occupé à veiller sur ses sujets grâce à son œil, notre reine n'a jamais dormi durant ses 301. Son humeur s'est donc considérablement dégradée et cela finit par peser sur notre peuple. Mais pour le protéger, la reine a continué de lutter, quitte à se sacrifier. Tu étais donc au courant? Ma reine, vous allez bien? Tu savais tout et malgré cela, tu es resté sous nos ordres? C'est exact, ma reine. Et ce justement pour cela... C'est exact, ma reine. Et c'est justement pour cela que j'ai fait tout mon possible pour servir au mieux. Souk. Je vois. Il y a un malaise. Malheureusement, la paix de Slakan a été altérée. Je crains que nous ne puissions guère vivre plus longtemps, ma reine. C'est vrai. Et nous... Oula ! Le dialogue qui passe à une vitesse. Cela fait longtemps, mais... Te souviens-tu de la promesse que tu nous as faite lorsque nous étions enfants? Oui, ma reine. Flashback ! Yoika, Cécilie. お前はわらわと結婚してシーラの王となるのだ。そして共に国を治めていこうぞ。おお。は、僕は姫と結婚してシーラの王になります。約束じゃぞ。約束でございます、女王陛下。大好きじゃ、セシリー。C'est tellement mignon. Oh. 覚えております。覚えているどころか、一時たりとも忘れたことなどございません。だからこそ私は、こうしてホメディアス様に生涯を捧げ、お仕えしているのです。わらわは生涯仕えてほしいなどとは頼んではおらぬ。約束は、わらわの夫となること。しかし、私の身分では、シーラの掟により、王となることは叶いませぬ。とぼけるでないセシリウス、お前も知っておるのだろう。怪人の雫を手に入れた者は王となる資格を持つことができる。シーラの最初の王は怪人の雫を持ち帰り王となったのだからな。しかし私などが、お前は長い間女王に代わってこの国を守ってきた。お前以上に王にふさわしき者があろうはずがない。何よりこの女王が夫と認めることができるのは。女王陛下、しかしながらできませぬ。やはりお前が思っているのは、長きにわたって我々が守ってきた。我々が結婚すれば、この国の永遠の呪いは解け、この国は滅びるであろう。はい、そのようなこと、私にはできませぬ。もう良いのじゃ、セシリウス。一つの国が終わり、命が消えても、また新しい命が芽吹き、新たな国が生まれるであろう。この国は、もっと早く滅びを受け入れるべきじゃった。しかし、もう一日、もう一日と時を重ねてしまった。わらわは、少しでも長く、お前と一緒にいたかったのじゃ。女王陛下。
セシリウス。わらわは今、決断するぞ。止まったこの国の時間を、再び進めることを。それが、この国が向かい合わねばならぬ、真実なのじゃからな。よくぞご決意されましたな。今こそ、なるのじゃ、セシリウス。喜んで。あー、きっとショピノピンだ。では、わらわは婚姻式の準備をさせておこう。お前はその間、自由に行動するがよい。その少年たちがしばしの間、お前を必要としているようじゃからな。よろしいのですか。よい。よい。タタター、ワーハドゥヴォコンパニオンドゥヴォワイアージュ。ありがとう。Comme promis, nous acceptons donc de signer le traité de Nonovan. Faites-nous signer lorsque vous serez prêt. Bah, c'est parfait! Signe-le tout de suite! Hein? Bien, commençons. Pose le parchemin pour le traité ici. Kono ni no kuni no tame, te o tori! Brahaban no yakujo o musubu to chikao. Tomo ni mamoro!二の国を。約定を結んだ間柄だ。何かあったらこの国を頼るがいい。セシリーのこと。期待しているぞ、セシリウス。ええ。お任せください。これからよろしくお願いします。うん、よろしくね。ホメディアス女王をハムナルの魔の手から解放したエヴァン。紆余曲折を経て一行はシーラ・ザラカンと同盟締結を果たした。新たな仲間セシリウス・フォーセルの加入によってエスタバニアはさらなる発展を遂げるだろう。恋が禁じられているなんて、そんな国もあるんだね。でもその国から僕は国を守りたいっていう強い意志を学んだ。自分を犠牲にしても、誰にもそれが認められなくても、女王は国を守り続けたんだ。女王やセシリウスに出会えてよかった。だけど君の進む先にはまだまだ君が学ぶべき人が現れるんじゃないかな。うん、分かってる。もっと強く大きくなりたい。そうだね。まだ今の君は成長の途中だからね。エヴァン、早く大きな存在になった君と会いたい。そっか。それだけ君には注目してるってことさ。うん、またね。Est-ce qu'un jour on aura l'explication sur ce qui se passe là entre les deux?僕の発明は世界一だからね。魔導融合炉必ず完成させてみせるぞ。ムサカ様。たとえ全てを犠牲にしようともね。
第6章わ栄光の奇跡。恐れながら。Permettez-moi de me présenter à nouveau. Mon nom est Cecilius Portis, magistre et conseiller de la reine de Selakan. Nous aimerions que tu continues le travail de conseiller pour nous, Cecilius. Roland étant le premier ministre, tu seras sous ses ordres. Je ne vous décevrai pas. Roland, je m'en remets à votre jugement. Ah. Bienvenue à bord. Oh. Bon, on ferait mieux de passer à la réunion stratégique. Quel est le prochain pays avec lequel... Quel est le prochain pays avec qui faire le traité? Il ne nous reste plus que Mekarbor et Carabas. Mais nous ferions mieux de garder ce dernier point pour la fin. Oui. Mais... Sauf que la voie maritime vers Mekarbor est bloquée par la fissure, non? La fissure? Qu'est-ce que c'est? Oh non. Vous n'avez jamais entendu parler? En vrai, je suis nouveau dans le royaume. C'est le nom d'une immense crevasse au milieu de l'océan. Selon la légende, elle aurait été créée par l'apparition d'un dieu maléfique il y a plusieurs siècles. La fissure sépare la mer intérieure et la mer extérieure de notre monde. Mekarbor se trouve sur la mer extérieure. Je vois. Nous ne pouvons pas y aller en bateau. Si seulement notre planeur pouvait voler librement n'importe où. Oh, mais il n'y a aucun problème avec le bateau. Il suffit de sauter par-dessus la crevasse. Hein? Pardon? Oh. Alors, je m'arrête juste parce que... Alors, la gueule de Shanti est juste en dessous, celle de notre très cher ami jaune est magique. Au niveau des visages, il y a quand même de ces perles. Ah, il est... Je ne t'imaginais pas faire ce genre de blague, Cecilius. De quelle blague parlez-vous? Nanto. Se pourrait-il que vous n'ayez jamais fait sauter votre navire? Ah d'accord, je me sens seul. Il y a un gros malaise. D'accord, bon, ouais. C'est peut-être quelque chose de banal, hein, c'est la canne, mais d'accord. Tu veux dire qu'il est possible de faire sauter un bateau, même le nôtre? Cela nécessite une amélioration du navire, mais ce sera vite terminé grâce à mes connaissances en magie. Yes. Parfait! Allons demander à nos experts en bateau de faire les préparatifs. Nous partons pour l'aventure! Oh. Alors. Bon, ça fait quand même déjà un gros morceau qu'on vient de faire du coup. Cool. On récupère tout l'argent. On récupère tous les matériaux. Hop. Alors, niveau main d'œuvre. On a récupéré Cecilius. Tout ce qui touche aux mousses et à la magie. Dans ce cas, gestion du royaume. Là, j'ai déjà mamie et machin. L'institut de magie. Laboratoire mystique. Est-ce que tu rentres ici ou pas? Est-ce que c'est un bonus? Oui. Voilà. Enfin, je pourrais faire quelque chose ici. Non, je ne veux pas encore le monter de niveau. Charme pour plus de fortune. Augmente le montant d'argent. Oh, oui. Voilà. Bon, ici, ça changera pas. Sinon. Hop, on arrête. Au niveau de la main d'œuvre, est-ce que tout le monde a été placé, du coup? Efficace sur le chantier naval.
Je crois que le chantier naval, je l'ai pas encore. Je l'aurai qu'à l'amélioration du royaume, si je dis pas de conneries. Gestion du royaume. C'est ça, ouais, je l'ai pas du tout. Mais... Alors, où est-ce qu'on en est pour les évolutions? 25 personnes pour monter de niveau. Eh ben... Allez. Ma première amélioration. Waouh. Oh oh. Putain, c'est pas une petite amélio. Le royaume est monté de niveau. Le territoire s'agrandit. Plus de possibilités disponibles. Eh ben, gestion du royaume, du coup. Alors, terrain vague. Recherche sur l'expérience. Ouais. Le centre d'entraînement. Terrain vague. Pour construire la ferme numéro 2. Jardin 2. Pour les potagers 2, donc là c'est pour les améliorations d'après ce que je vois. D'accord. Marché aux poissons. La grande place. Qu'est-ce qui me manque? J'ai pas assez d'argent, d'accord. Il y a toujours rien pour un port. Ah si, le chantier naval, est-ce que je peux le faire tout de suite? Ouais. Ça, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le marché, marché 2 et 3. Kiosque. Ok. Passer. Passer. La Syrie. Institut l'imaginaire. J'ai assez pour ça. Wow. Un théâtre. Oh. Eh ben, pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent sur Mechabook? Ah bah, ça parle de l'expansion. Et du coup, je suis juste curieux, est-ce que... Waouh. Eh ben, eh. Ça, c'est un petit détail sympa, mais qui fait de l'effet, ça a de la gueule. Quand tu vois que la salle du trône, elle grandit avec le reste, je trouve ça impressionnant. Qu'est-ce qu'il faut pour la prochaine expansion? Je regarde juste. Alors, gestion du royaume. Alors. Bénéfice plus 1. Alors, attends. D'accord, donc je pourrais avoir plus d'argent. D'accord. D'accord. Pour le monter de niveau, j'ai pas du tout assez, mais ça c'est normal, je viens de le faire. Mais ok, ensuite on fera l'amélioration de l'influence avec les bénéfices et compagnie. D'accord. Bon, et ben, vous savez quoi? C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Je pensais partir un peu pour de l'annexe, mais je trouve que ça fait déjà un beau morceau. On est à presque 2 heures de live, donc je pense que ce sera suffisant. Hop. Donc. Wouhou. La petite transition. Ah, ah. Hop là. On passe sur le final. Oh. Bon, bref. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regarderez cette rediffusion. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.